si João Cancelo s'éloigne du FC Barcelone, un autre latéral se rapproche du club catalan. D'après Sport, le Barça est en passe de recruter Marc Pubille, latéral droit d'Almeria. Le joueur de 21 ans, enclin à venir en Catalogne, va arriver dans le cadre d'un prêt de 5 millions d'euros, avec une option d'achat estimée à 12 millions d'euros. Même si Almeria souhaite un transfert définitif, l'opération avance dans le bon sens. Pubille a remporté la médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Paris avec l'Espagne. Il a participé à 5 des 6 rencontres de la Roja et a inscrit un but. Arrivé en provenance de Levante en 2023, pour 5 millions d'euros, Pubille va permettre à son ancien club de toucher 25% de l'option d'achat, si elle est levée. L'international U21 espagnol a disputé 24 rencontres pour un total d'un but et de 3 passes décisives avec Almeria. Le club andalou a fini 19e de la Liga la saison passée et évolue actuellement en 2e division. Toujours selon le média ibérique, il n'est pas exclu que sa venue pousse Hector Fort vers la sortie. Rentré à Manchester après son prêt au Barça, le latéral portugais semblait se diriger vers l'Arabie Saoudite et Al Hilal. Mais les Blaugrana tenteraient un coup de poker. Cet été encore, le mercato du FC Barcelone vire au grand n'importe quoi. Si Ilkay Gundogan revient bel et bien à Manchester City, et que Vitor Roque file au Betis, João Laporta aura tout simplement fait partir presque toutes les recrues de l'été 2023, à l'exception d'Inigo Martinez. Du côté des arrivées, c'est le même cirque. Dani Olmo et Pau Victor ont rejoint les rangs Blaugrana, mais le Barça n'arrive pas à inscrire sa recrue phare en Liga. Cela ne l'empêche pas de continuer à tenter de nouvelles recrues. Hier, la presse locale affirmait que les culés avaient trouvé le successeur de João Cancelo, reparti à Manchester City. Il s'agit de Marc Pubille, latéral droit d'Almeria âgé de 21 ans. Le Barça négocierait avec la formation andalouse un prêt de 5 millions d'euros, avec une option d'achat estimée à 12 millions d'euros. Mais ce matin, main d'eau Deportivo lâche un pavé dans la mare. Les Blaugrana tenteraient de faire revenir Cancelo. Pour rappel, les médias portugais assuraient hier que Manchester City avait trouvé un accord avec Al Hilal pour le transfert à 40 millions d'euros du défenseur, qui toucherait 70 millions d'euros sur 3 ans. Le Barça peut-il réellement lutter avec cette offre économique sur laquelle il ne pourra jamais s'aligner? Mundo Deportivo ne bronche pas et assure que João Laporta tenterait d'obtenir un nouveau prêt du Lusitanien assorti d'une option d'achat raisonnable. Certes, le Barça offre la possibilité à Cancelo de rester en Europe et de disputer la Ligue des Champions. Mais pas sûr que Manchester City accepte cette proposition bien inférieure à celle d'Al-Nassr.